Girl Talk. J'espère que ça vous plaît. Si vous ne connaissez pas le principe, aujourd'hui on va parler, je vais échanger avec vous, vous donner mon avis, vous donner mes conseils par rapport à des situations que vous m'avez présentées, dont vous m'avez parlé sur Instagram, lorsque je vous propose une story dédiée avec un petit encart et que vous me parlez. Tout est évidemment anonyme. Et cette fois-ci, nous allons donc parler de sexualité, nous allons parler de sexe, tout simplement. Et c'est un de mes sujets préférés, j'adore. Je trouve ça super passionnant parce que c'est une grosse, grosse partie de nos vies et également une grosse, grosse partie de nos vies qui est sujet à jugement permanent, à plein d'avis multiples et à plein d'idées différentes, préconçues parfois et qui font mal aussi parfois. Donc vous donnez mon avis sur la question. Je lis beaucoup beaucoup de livres sur la sexualité afro aussi, qui est un sujet qui n'est pas souvent abordé malheureusement. Je vous conseille particulièrement un podcast sur la sexualité féminine et noire en particulier, qui est Me, My Sex and I, qui est un podcast extraordinaire qui va vraiment changer la manière dont vous voyez la sexualité, dont vous avez peut-être, vous imaginez la sexualité noire et féminine, ou alors vous conforter dans vos choix. Voilà, c'est vraiment un superbe podcast. C'est parti donc pour ce Girl Talk. À tout de suite. Alors, la première question, situation, c'est comment raviver la flamme sexuelle avec son chéri quand on est dans une routine. Alors, vous savez, par rapport à mon dernier Girl Talk de la dernière fois, si vous n'avez pas encore vu, je vous encourage à cliquer pour écouter donc le premier Girl Talk, enfin voir le premier Girl Talk. Vous connaissez mon avis donc sur la routine. Je pense que la routine n'est pas une mauvaise chose dans le couple, au contraire, c'est juste une preuve de stabilité. Il faut juste pas qu'on en souffre et il faut chaque fois un petit peu re-challenger cette routine, mais la toute routine est normale dans le couple, ça fait partie du couple, c'est comme ça, comme ça. Comment raviver la flamme sexuelle? Donc quand on parle de raviver la flamme sexuelle, c'est donc qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne nous plaît plus en fait, tout simplement. On a une sexualité peut-être un peu molle ou mollassonne, où on se dit on fait la même chose, on se soulage entre guillemets, des choses comme ça, et on n'a plus cet intérêt, cette excitation l'un vis-à-vis de l'autre, où on se dit ah, vraiment on grandit sexuellement l'un avec l'autre. Donc déjà, je voudrais juste faire un petit aparté pour parler du rythme de rapport sexuel. Il n'y a pas de rythme bon ou mauvais, c'est vraiment en fonction de votre couple. Si un couple fait l'amour tous les jours et un autre fait l'amour une fois par semaine et un autre fait l'amour une fois par mois, si le couple est heureux dans cette manière-là, dans ce rythme-là, dans ce cas-là, il n'y en a aucun des trois qui fait trop ou pas assez. Voilà, il n'y a pas de bon rythme, de mauvais rythme. Vous faites l'amour quand vous avez envie, si c'est pas souvent, bah c'est pas souvent, et puis voilà, c'est tout. Et puis c'est très souvent, bah c'est très souvent, et puis voilà, bah c'est bien aussi, voilà. Moi, mon avis pour raviver la flamme sexuelle, ça veut dire que l'un des deux parties du couple, que ce soit l'homme ou la femme, trouve que on s'en croûte quoi, je prends plus de plaisir, ou je trouve que c'est un peu chiant, je trouve que c'est un peu ennuyant, et je commence entre guillemets, pendant le sexe, à m'isoler dans mon imaginaire sexuel. Ça veut dire que ça peut arriver que pendant la relation sexuelle, pendant l'amour, je ne sois pas dans la situation présente, mais je sois tout à mon fantasme. C'est normal d'avoir un fantasme des fois quand on fait l'amour, il n'y a rien de grave à ça, de se dire ah, j'imagine que c'est mon boss, ou j'imagine que machin. Ça, c'est parfaitement normal, tout le monde fait ça, c'est vraiment tout le monde fait ça. Enfin, ça m'a choqué moi quand ma psychologue qui est aussi sexologue m'en a parlé. Je me suis dit bon, oui. C'est hyper répandu, ou de s'isoler un peu en se disant ah, j'imagine qu'il me dit ça même s'il me le dit pas, etc. Ça, c'est très fréquent. Voilà, il n'y a rien de anormal, c'est parfaitement normal. Par contre, si on n'est plus du tout dans la situation, et entre guillemets c'est un peu comme si on se masturbait avec le corps de l'autre et qu'il n'y a plus vraiment d'échange dans l'amour, effectivement, il faut peut-être reprendre tout à la base. Et donc moi, ce que je conseille, moi, parce que aussi c'est des conseils que j'ai pris, que j'ai lus, que j'ai entendus, etc. C'est pas moi, cerise dans ma petite tête, qui se dit ça. Je vous dis donc que vous pouvez reprendre les bases de la base de la sexualité, qui est basée donc sur la séduction. Est-ce qu'il y a toujours une séduction dans votre couple? Avant de raviver la flamme sexuelle, il faut raviver la flamme tout court. Donc, je pense que le plus intéressant est déjà d'en parler. Déjà,
Communication, les filles! Communication! Donc, en parler avec votre chéri en disant je m'emmerde. Alors, peut-être pas comme ça. Doucement. En fonction de la personne avec qui vous êtes, de votre partenaire, de la manière dont il peut réagir, etc. Il y a des personnes qui préfèrent être très franches, il y a des personnes qu'il faut entourer un peu parce que l'ego. Non. Ok. Donc, dire écoute, moi j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, je m'amuse plus autant qu'avant, c'est plus aussi sexy qu'avant. C'est plus aussi qu'avant, etc. J'ai plus autant les papillons quand j'y pense au bureau, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut tous les deux travailler sur ça pour qu'on soit tous les deux plus heureux, qu'on se reconnecte, qu'on ravive donc cette flamme? Donc déjà, ça devient un projet de couple et plus juste une souffrance personnelle. Et ensuite, raviver la séduction. Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous jouez toujours ensemble? Est-ce que vous partagez des moments d'intimité autres que sexuels ensemble? Donc tout simplement, au lieu de raviver la flamme sexuelle en disant « Oli, c'est des plus trucs », vous pouvez par exemple faire un strip poker ou même plus basique que ça, quand il se lave, bah, vous rentrez sous la douche. Quand vous êtes en train de vous laver par exemple, que sneak in tout doucement, il rentre dans la douche, etc. Et que même si c'est pas pour faire l'amour pendant la douche, mais même des câlins pendant la douche par exemple, ou alors se dire qu'avant de dormir, bah aujourd'hui, on prend la saison, on dort tout nu par exemple. Et on n'a plus trop l'habitude par exemple, typiquement, et ben ça va raviver juste quelque chose, ça va rapporter un petit truc nouveau. Ou alors, vous vous dites, on prépare à manger ensemble. Et des fois, des tout petits trucs comme ça, donc de changer un petit truc dans le quotidien, changer un petit truc de la routine, peut réveiller la séduction, donc apporter donc un petit piment dans la vie sexuelle. Et ça ne passe pas forcément par des trucs extrêmes ou des trucs de haute volée, de se dire ah on va rajouter des godes ou on va rajouter de l'huile de massage chauffante, réchauffante, piquante, je sais pas quoi. Des fois des trucs tout basiques, des petits trucs peuvent tout simplement réenclencher dans le cerveau l'aspect de séduction qui redonne envie tout simplement de se sauter dessus ou de faire l'amour, etc. De la même manière, vous pouvez regarder un film porno ensemble. Si c'est votre truc, mais évidemment, si c'est un truc qui vous dégoûte et que vous donne pas du tout envie, c'est même pas la peine. Mais si lui, vous pouvez lui demander, on va se poser des questions, par exemple des questions sexuelles, par exemple dans le lit, qu'est-ce que t'aimes bien? Est-ce que t'as déjà fait ça avec ça? Est-ce que t'as déjà pensé à ça? Qu'est-ce qui te fait fantasmer? Qu'est-ce qui te donne envie? C'est quoi le truc un peu honteux auquel tu penses? Créer une... Vous voyez, au tout début d'un couple, quand on a des sujets sexuels et qu'on est là... Tout simplement un petit peu recréer sur cette situation là où moi je sais que par exemple c'est pas trop mon délire, mais je sais qu'il y a certaines de mes copines qui, sont vachement sur les trucs de roleplay. Donc faisons genre que t'es mon boss et que moi je suis la secrétaire, ou faisons genre que t'es le patient et que je suis l'infirmière, ou j'en sais rien, que t'es mon voisin, que t'es mon plombier, que t'es ma, j'en sais rien, ma prof, ou bref. Moi je sais que zéro effet sur moi, mais je sais qu'il y a des personnes qui, juste le fait d'imaginer quelque chose, bah, ça a un effet positif sur eux. Donc voilà, tout ça c'est des petites techniques pour pouvoir raviver l'étincelle, mais des fois c'est pas un truc de ouf, hein, c'est juste des fois des petites piqûres de rappel et puis c'est bon. La deuxième question est en gros comment se passe le couple et donc la sexualité après un accouchement, et comment se passent les mois qui suivent. Bon, alors là je peux en parler parce que je suis passée par là, il y a 3 ans. Déjà, je pense qu'il n'y a pas de truc préétabli, genre c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça pour tout le monde, pas du tout. Je pense que c'est comme chaque accouchement est différent, chaque couple est différent et chaque manière de se réapprivoiser l'un l'autre est différent. Déjà, le truc le plus important c'est d'être, si vous êtes une femme tout simplement, d'être indulgente avec votre propre corps et d'être indulgente avec vous-même et votre rapport au corps. Je sais que la grossesse, on a une sorte, moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, une sorte de dissociation par rapport à son corps, puisque pendant toute la grossesse, des médecins, des gynécologues, des sages-femmes vous ont tripoté l'entrejambe, vous ont tripoté les parties intimes, vous ont tripoté partout. Les sages-femmes pour l'allaitement, si vous avez commencé à l'allaitement, vous sortez votre sang en permanence par rapport à votre enfant, etc. Il y a une sorte de déconnexion de l'aspect sexuel du corps qui fait que juste mon corps, c'est juste un corps et ce n'est plus forcément mon corps. Mon intimité n'est plus la mienne, mais c'est genre à tout le monde. On vous inspecte, on vous regarde le col de l'utérus et c'est basique, c'est à 3 pour truc, machin. En plus de ça, peut se rajouter
tout ce qui est épisiotomie, cicatrisation, cicatrice, etc. Donc vraiment, il y a un rapport à son propre corps qui peut être un peu difficile après l'accouchement. Et le plus important, déjà de 1, c'est être indulgente vis-à-vis de soi-même. Il n'y a aucune durée, aucune durée attendue. Vous direz, ah, vous n'avez pas refait l'amour depuis 33 semaines, le pauvre, Enfin, il n'a pas extrait un humain de l'intérieur de son vagin, donc il n'a absolument pas le droit au chapitre. C'est vous qui décidez quand vous vous êtes prête, quand vous vous êtes réapproprié votre corps, déjà. Ensuite, il faut qu'il n'y ait aucune culpabilisation. Si vous dites oui, pendant ma grossesse, à partir de mon 6e mois de grossesse, mon 5e mois de grossesse ou whatever, je voulais plus faire l'amour avec lui. Et donc le type, ça fait 6 mois qu'il a pas fait l'amour, il va me tromper, il va partir, etc. Alors, si la fidélité de votre mec ou de votre compagnon tient au fait que vous ne lui donnez pas à manger pendant 6 mois, sans commenter. Je pense que la personne qui vous aime et qui vient de voir que vous venez de créer un être humain peut comprendre que vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver en dessous ou au-dessus de lui, les jambes écartées. Je pense qu'il peut parfaitement comprendre et surtout que vous preniez votre temps et que vous réappropriez. Donc, zéro culpabilité. Si ça prend 6 mois, ça prend 6 mois. C'est comme ça. Et ne vous forcez jamais. Je le répète, ne vous forcez jamais, on ne se force pas à faire l'amour sous aucune condition, jamais. Que ce soit votre mari, que ce soit votre copain, que vous ayez 10 ans, 15 ans de relation amoureuse, avant, après l'accouchement, on ne se force jamais à faire l'amour, même si on est en zone grise, même si on se dit « Ah non, mais le pauvre machin » et que vous marchez à la culpabilité, vous culpabilisez vous-même pour vous laisser faire. On ne se laisse pas faire, on a envie de le faire et on le fait. Si on n'a pas envie, si on change d'avis, au début on avait pas envie, en fait quand il vous a touché à ce moment-là, ça a tout coupé les bails, vous coupez tous les bails. Je n'ai plus envie, je n'ai pas envie, c'est pas aujourd'hui, je sais pas pour demain, mais en tout cas ce soir, c'est non, ce matin, c'est non, je n'ai pas envie et je ne culpabilise pas sur la question, déjà. Ensuite, peut-être, il est bien dans le couple de déjà entrer dans une phase de réappropriation de votre corps à vous-même, donc d'avoir une vie auto-érotique. Oui, je le dis, masturbez-vous les filles, ça change la vie. Donc déjà, avant d'accepter peut-être que votre mari vous touche après l'accouchement, il faut accepter vous-même de vous toucher, vous-même de savoir là où ça vous fait du bien ou pas. Votre corps a pu changer, il faut vous réapproprier votre corps à ce niveau-là. Et donc, bah, tout simplement, voilà, touchez-vous, masturbez-vous petit à petit et après peut-être que le désir renaîtra. Le désir peut renaître au bout de 1 mois après l'accouchement, bah oui, il n'y a aucun problème. 2 semaines, 1 semaine après l'accouchement, s'il n'y a aucun problème, mais aucun problème. Et des fois ça peut être beaucoup plus long, 6 mois, 9 mois, bah c'est la vie, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Et par contre, par rapport au couple en général après l'accouchement, effectivement de la même manière, il y a un rééquilibre à avoir, tout simplement puisque vous étiez 2, maintenant vous êtes 3 ou 4 si vous avez fait des jumeaux, et donc vous devez vous réapproprier entre guillemets votre couple, l'espace même dans la maison, la manière de fonctionner, etc. Et ça, je pense sincèrement, c'est juste tout simplement mon avis, je pense que c'est une question de communication. C'est essentiel de discuter, c'est essentiel d'en parler, de parler de vos frustrations, de parler de vos envies, de parler de ensemble. Voilà, on faisait un couple, on est une famille maintenant, c'est différent, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Des fois, ça secoue beaucoup la cellule du couple pour devenir une cellule familiale. Ça engendre beaucoup de changements et de modifications, ça pivote des fois un petit peu. Et c'est bien d'en parler à deux pour pas être seul dans son coin à vivre son truc de son côté. Alors, la troisième question c'est « Je n'ai jamais pu atteindre l'orgasme avec mon mari, est-ce que je suis normale ?» Oui ! Oui, 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 oui. Il y a énormément, mais genre quand je dis énormément, c'est la grande majorité des femmes tout simplement, n'a pas d'orgasme pendant l'acte sexuel avec leur mari, pour la simple et bonne raison que la société patriarcale nous a fait croire que l'acte sexuel tournait autour et uniquement autour de la pénétration. Voilà, ce qui n'est absolument pas le cas. On peut faire l'amour avec une personne sans jamais qu'il rentre à l'intérieur de vous. Il faut bien l'avoir en tête, ça. Et du coup, quand ça c'est bien en tête et que là, le partenaire aussi l'a très bien en tête, tout simplement, ce n'est pas parce que je ne m'introduis pas à l'intérieur de toi que nous n'avons pas fait l'amour, que du coup, bah en fait ça
ouvre totalement le champ des possibles. Et du coup, bah, les cunis, les touches-touches, la manière de se toucher, l'apprentissage avec l'autre devient beaucoup plus ouverte et grande, tout simplement, puisqu'on se dit... puisque la manière d'atteindre l'orgasme ne passe plus forcément par la pénétration. Voilà. Donc si vous n'avez pas ressenti jamais d'orgasme avec votre partenaire, déjà, il faut lui dire, il faut créer cette conversation. C'est pas facile parce que bah, ça demande à l'autre de se remettre en question et c'est pas simple, je peux comprendre. Donc il faut y aller peut-être avec des pincettes parce que sujet sensible, parce que orgueil, parce que ego. Et lui dire que, attends, moi je vais te montrer déjà comment j'atteins l'orgasme. Et si vous-même, vous ne savez pas comment atteindre l'orgasme, c'est encore plus compliqué pour l'autre d'atteindre l'orgasme. Si vous-même, vous ne connaissez pas à quel endroit se situent les boutons pour atteindre l'orgasme, comment vous pouvez imaginer qu'une autre personne dans son corps, à lui, pourra mieux connaître votre corps que vous-même. Donc, je le redis, masturbation les filles, pour tout simplement apprendre à se connaître, pour pouvoir indiquer à l'autre, voilà ce qui me fait du bien. Voilà quand tu fais comme ça, voilà quand le truc. Et puis aussi, vous pouvez tout simplement même instaurer ça un peu comme une sorte de jeu entre vous. Se dire, aujourd'hui, on va entre guillemets faire l'amour, mais de manière très décomposée, très lente, pour que je te dise, ah, ça c'est bien, pas du tout, ne touche pas à cet endroit-là, c'est hors de question. Ou au contraire, du yes, là tu y es à fond, etc. Et même, ça peut même devenir une sorte de, comme un cours en fait, genre comment me donner un orgasme en fait, tout simplement. Il faut vraiment partager avec son partenaire, déconstruire le truc un peu sacré dans la nuit, de l'autre sait parfaitement comment, saurait parfaitement comment me faire l'amour, etc. Parler, rigoler au lit, parler au lit, expliquer, montrer lui, faites des trucs, et lui dire, attends, je prends ta main et je te montre en fait, c'est pas, vas-y, non, un peu plus à, non, encore plus à gauche, plus devant, plus au fond, plus loin. Bon bref, prenez votre main, prenez son machin, ou voilà, et vous lui dites, voilà, là, et puis comme ça, et puis avec ce rythme là, et puis voilà, et puis j'aime bien quand tu me fais ça, et j'aime pas quand tu me fais ça, et en fait, pour que tout simplement, pareil, la recherche de l'orgasme, la recherche du plaisir devienne un projet de couple, un projet à deux, un projet d'amusement, c'est-à-dire on y est presque arrivé, on verra demain, etc. Et aussi se dire que on peut jouir sans forcément avoir le truc qu'on voit dans les films, genre on peut prendre du plaisir. Nous, ce qui est bien avec nous les filles, c'est que du coup, vu qu'on a un organe entièrement dédié au plaisir, qui est donc le clitoris, on peut prendre du plaisir sans forcément exploser. Les garçons, eux, ils sont obligés d'éjaculer pour avoir du... Enfin, voilà, il y a ce truc d'éjaculation. Nous, ça peut être répété à l'infini, etc. Donc, du coup, vous pouvez prendre du plaisir pendant un long moment sans forcément avoir eu ce truc d'orgasme. Et c'est très, très bien. Enfin, voilà. Donc, je pense vraiment que, voilà, c'est la communication. Désacraliser un peu le truc, rigoler, montrez-lui, parlez-en. Voilà. Et surtout, enfin, la pénétration, c'est pas tout, quoi. Vraiment. La dernière question, c'est est-ce que c'est à moi de demander à mon gars un cuni ou ça doit naturellement venir de lui? Je pense que la question est sur le sexe oral, donc que ce soit le cunilingus ou la fellation. Vous connaissez, je suis sûre que à force vous savez très bien ce que je vais répondre. Il n'y a rien de honteux dans le sexe. Dans le sexe en général. Je tiens à le dire. Donc évidemment, même je mets effectivement de côté toutes sortes de déviances sexuelles dans lesquelles je ne rentrerai pas, mais tout le reste, vous avez le droit. Si vous faire attacher, ça vous fait du bien, attachez-vous. Si vous faire gifler, vous faire fesser, vous faire... on parle crûment, hein, là on est là, on dit les choses. Hein. Ça vous fait kiffer, mais faites-le. Si les jeux de rôle ça vous dit, si les tenues affreulantes ça vous dit, si les culottes trouées, les lingeries, le latex, les godes, les crèmes, les huiles, les trucs, les machins, les ficelles, les tout ce que vous voulez, ça vous plaît, faites-le. C'est du jeu, il n'y a rien de mal.
Il n'y a aucune honte à avoir à partir du moment où on est consentant tous les deux, on se respecte. Donc encore moins si je vous dis que se faire fouetter et utiliser des godes ceinture, etc. Il n'y a rien de honteux à ça. Donc imaginez encore plus le fait que juste faire une fellation ou juste un cunnilingus, il n'y a rien de honteux à ça. Il y a, je sais pas pourquoi, ce truc là de... genre... de honte à il m'a léché, il m'a fait un cunni, j'ai honte. Ah, c'est une pute, elle lui a fait une fellation et tout. Alors, déjà de 1, celles qui s'interdisent de le faire parce que soi-disant c'est honteux, soi-disant c'est pas bien, soi-disant c'est contre ceci ou cela, ou c'est pas une personne respectable si jamais elle accepte de sucer un mec ou de faire un cunni, ou elle accepte de se faire un cunni, c'est que c'est pas une personne respectable, etc. Les personnes qui pensent ça, sincèrement, vous passez à côté de quelque chose mais d'extraordinaire. Le sexe oral, c'est extraordinaire. Déjà, voilà, je le dis, que vous passez à côté de quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir faire du bien à votre partenaire et tout simplement de ressentir du bien à vous. Ceci étant dit, il faut pas ne pas oser demander à son partenaire de lui faire du bien. C'est tout le principe de la sexualité, c'est de se faire du bien. Donc, si votre mec n'y pense pas, déjà peut-être qu'il ne... il se dit que, un, peut-être que ça va pas vous plaire, ou que vous allez mal le prendre, ou que... ou que il se... peut-être imagine que vous n'aimez pas ça, machin, ou que lui-même, il... potentiellement, il se dit qu'il va pas aimer, etc. Et donc, de fait, il fait pas de cunnilingus. Mais demandez-lui. Bah oui. Dire... je crois que t'as oublié quelque chose. Ou il y a quelque chose que moi j'aimerais bien qu'on fasse. Voilà, je l'ai vu, je l'ai lu, j'ai entendu, whatever. Mes copines elles le font, j'aimerais bien tester, machin. J'aimerais bien que tu me fasses un cunni. Voilà. Et si tu veux, on va le faire ensemble, entre guillemets. Genre, je vais t'aiguiller pour te dire exactement là où ça me fait du bien, etc. Et on le fait à deux. Et de la même manière, vous n'êtes pas. J'aborde un autre sujet ici, vous n'êtes pas obligé de faire du sexe oral avec votre chérie. Si je sais que on s'imagine souvent que la fellation est le passage obligé parce que c'est très souvent ce qu'on voit dans les films porno, etc. Absolument pas, si vous n'avez pas envie à ce moment-là, vous ne faites pas rien obligé dans le sexe. Pourquoi le cunnilingus serait plus à proscrire que la fellation ou l'inverse, etc. Voilà, s'il n'y pense pas ou s'il ne le fait pas, posez-lui la question, demandez-lui, et voilà. Et de la même manière, lui, il ne devra pas se forcer s'il n'en a pas envie. Et dans ce cas-là, vous en discuterez. Toujours cette communication, c'est essentiel pour avoir une vie sexuelle épanouie. Et voilà les filles. Je pense qu'on a bien parlé, là, de sexualité, de sexe, etc. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer des messages et à me poser différentes situations pour le prochain Girl Talk. Qui sera donc dans un mois. Ça me fait super plaisir de aborder ces sujets-là avec vous. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant, parce que vraiment c'est super. Et puis voilà, je vous fais des très très gros bisous, je vous fais et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.